C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Chanel Paul. Ou dans l'émission Mon éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire petit bas de bouchon sur tout ce qui a passé en Haïti, acteurs politiques, insécurité, gang, tout ce qui concerne Haïti, nous la donne. Pendant le week-end, il y a un gros scandale tripartite qui pétait dans le pays, qui impliquait des hommes et des femmes d'affaires, monsieur politique tout la donne, gagné Jimmy Chérizy alias Barbecue qui impliquait Jouk Nanso. Scandale ça, lui permet de nous poser une seule question. Qui sont les vrais ennemis du peuple haïtien? Et c'est l'occasion tout pour nous garder niveau complicité gros businessman yo, dans ça qui gagne pour avec groupe gang en dedans pays, pour nous garder niveau complicité politicien yo, dans craser société yo, dans détruire jeunesse, dans financer, dans soudoyer et tout ça qui gagne pour avec créer insécurité, créer instabilité en dedans pays. Yuri Meuse, Yuri La Tortue, Jimmy Chérizy Barbecue, Ariel Henry pour couronner le tout. Ces différents acteurs qui font partie de ce scandale-là, nous pourrons regarder position, nous pourrons regarder implication, nous pourrons regarder fonction. Et Yuri La Tortue en lui-même, ensemble des formations choc, pour vous sûrement, ou pas de jambon de lit, je dis alors pour qu'on ait vrai visage Yuri La Tortue. Tout bon. Et dans la rubrique qui sauve les aujourd'hui, hein? C'est toujours occasion pour venir qui sauve les pour pays, hein? Pour venir bailler et prendre de vue sur ce qui a passé en Haïti, là, dans cause d'insécurité, dans cause de violence en dedans pays. Hein? Numéro n'a pas changé, c'est toujours 3896 3819. Écris, relais, voyons un message pour participer dans l'émission. Hein? Avec moi, déjà, je m'invite à partager la vidéo, à partager parce que, ensemble des formations, moi, je gagne un bac à Kembel pour comme. Ou pral joindre nous pral bénéficier de li ou padwe kembel pour qu'on tout fok. Partager l'émission pour plus moun ka apprendre, pour plus moun ka comprendre ce qui a passé en dedans pays là parce que nous toutes nous concernons. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remet pays ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel Paul là pour bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. On y est, pas changé. Rapidement, sans nous pas perdre trop de temps. Nous pral garder qui sa famille Meuse représente dans l'économie pays. Là on a parlé de famille Meuse jodi là en Haïti et depuis bien longtemps. C'est une dans famille qui pi riche en Haïti. Et yo même seul, l'a parlé de Chodeco ça dans Badelma. Yo gen 93% produits première nécessité dans main yo. Produits ou importe que ce soit du riz, que ce soit lait, l'huile, spaghetti, maggi et produits détergent, fab savon, etc. Yo importé à hauteur de 93%. Ça veut dire jusqu'à 93% yo gen monopole produit première nécessité. Yo. Donc si moun sa yo ta doit un certain moment de la durée, y a fait marché noir, y a monté prix, etc. Pas grand rien qui a échappé. Nous même comme citoyens haïtiens, comme consommateurs, parce que c'est dans mais pour acheter, pour revendre nous, c'est eux même qui fait business, c'est eux même qui gagne monopole, etc. Donc là, c'est déjà en point 1. N'a continuer par rapport avec ce qui a passé et en dedans pays comme scandale là qui impliquait Yuri Meuse, qui impliquait Yuri La Tortue, qui impliquait et Barbecue et mettait sous l'œil propre premier ministre Ariel Henry qui te font déclaration et à retirer là qu'il faut comprendre que tout le monde qui a financé gang, tout le monde qui a parmi gang, tout le monde qui a sponsorisé gang en dedans pays, il y a aussi des ennemis de l'État et aussi également ennemis Ariel Henry.
Nouvelle l'arrivée et Yuri Meul fait connaître que Barbecue exigeait le paiement de $500,000 chaque mois pour choder que ça a fonctionné. Alors ce que Barbecue dans différentes interventions toujours fait, toujours dit que lui-même et il par contre des relations l'argent avec moi. N'a pas songé événement 6 juin qui était passé côté que G9 yo t'es allé dans marché Titoni, yo casé, brisé, des différents entrepreneurs, des différents businessmen qui te font paquet de pertes. C'est de même on a considéré situation et Giovanni Sale lui-même qui était perdu et près de $3.5 millions américains de marchandises alors que lui-même il était dit très clairement relation gagné avec gang en bas la ville, li paye yo normalement, li paye yo en denrée, ça veut dire ba yo manger, le ba yo et machine manger, du riz, tout ça ou te ka besoin chaque mois consécutivement li ba yo. Donc quelque part même businessman nan ka fè business an dedans pays an, li mete group gang yo sou payroll. Gang yo gen payroll yo normalement. Et situation ça qui ça le permet, li permet aske gang nan li renforce l en matériel, gang nan li renforce l en effectif et jodi an la, yon nan bagay que businessman sa yo pa comprendre c'est que lò chita wap armé en group gang ou chita wap financer un groupe gang ou chita wap sponsoriser un groupe gang tôt ou tard y a pour retourner contre même parce qu'à un certain moment si mi trop ba yo si ça ba yo li pa jam suffisant li pa jam est suffisant qui est-ce qui te ka imaginer aujourd'hui en là le fait que ou qu'on a payé en groupe monsieur pour gagner peut-être accès pour aller dans business pour gagner accès même le en bas chaud en bas d'Elma chaud la ville chaud etc. ou même on a toujours ouvrir business pour mon venir acheter le fait de trop armé ces monsieur là le fait de trop les financer aujourd'hui on est face à la réalité et qui réalité lié ou joindre businessman ça yo qui doute très catégoriquement, qui doute très clairement, mais qui relation au gain avec gang. Nous allons regarder configuration politique, gang, politique, relation d'affaires. Je dis là, si nous considérons la communauté internationale là, au premier plan, nous allons regarder hommes d'affaires et femmes d'affaires au second plan, nous allons regarder politiciens en troisième, et après nous allons regarder gang yo. Et en dernier bah net nous gen population haïtienne nous gen moun sa yo et qui marginalisé nous gen moun sa yo et yo fait subir tout vie bagaille jodi a par rapport avec scandale qui pété là côté Yuri Meul li fait connait que Barbecue exige $500,000 et on pral gen pourtant des et réponse que Barbecue balien tout à l'heure comme ça parce que nous pas équilibre nous cherchons nous pas pour nous pas pour l'autre nous là pour nous faire le juste milieu l'équilibre même jodi an ou gen un groupe moun ou gen groupe homme d'affaires ça ou businessman ça ou qui prend plaisir pour yodo c'est politicien qui armé bandi ça yo qui crée insécurité en dedans pays mais yo oublié constamment que politicien yo rend responsable qui armé bandi qui ba jeune yo zam nan ghetto nan quartier populaire yo c'est yo même qui financer politicien ça yo. C'est eux-mêmes leur élection qui a bail l'argent, c'est eux-mêmes qui a bail l'argent pour mettre la ruche, juste en façon pour toujours gain privilège, pour toujours gain contrôle et sous loi fiscale etc. Parce que eux-mêmes yo gain des intérêts pour yo préserver, yo gain intérêt par eux pour yo protéger. Donc il faut payer ces politiciens pour ensuite payer les gangs. Au final, gagnant bien non. Aujourd'hui, nous revenons en phase côté que nous financer groupe bandi au drop. Yo vin gen assez kounia. Yo gen assez l'argent, yo gen assez zam, yo gen assez pouvoir, yo gen assez autorité. Maintenant c'est yo même qui a dicté loi, c'est G9 qui a dicté loi, c'est lui même qui connaît à qui est-ce qu'il voulait collaborer, avec qui est-ce qu'il pas voulait collaborer non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Gros bagay qui est extrêmement important. Alors considérez Yuri Meul. Yuri Meul, c'est secrétaire et parti à Yuri la tortue. Donc quelque part, relation Yuri la tortue à Yuri Meul, c'est pas seulement relation politique, c'est ça aller au-delà même. Il y a aller au-delà parce que le Yuri Meul faut comprendre très clairement.
Le li sponsorise, le li bay camion manger, li bay camion marchandise, etc. Avec groupe gang za yo, avec quelques gang dans capital la qui campe derrière barricade, etc. Li bay li a un objectif clair. Ce n'est pas la femme d'affaires qui sous-doit les gangs, c'est la secrétaire du parti politique. Ah ah ah. S'ouvre ou comprenne, ou a comprenne, sou parle comprenne, tout pas comprenne. Secrétaire et parti politique AAA qui est lié Yuri Meuse parti politique AAA pour qui est lié pour Yuri la tortue li pas baili en qualité de femme d'affaires mais le baili en qualité secrétaire parti hein. Ça veut dire que d'accord que pas d'accord ça implicitement li gen pour avec Yuri la tortue li pas prendre le devant de la scène pour dire que li voyait camion manger pour tel groupe gang mais à travers parti politique, à travers Yuri Meuse, à travers Salbay comme don, rele le jour vle, c'est AAA qui a financé différents groupes gangs. Donc là, nous rentrons dans la logique côté que nèg sa yo qui a fait politique en dedans pays, yo utilisé fonction yo, yo utilisé et ça yo gagné comme relation, yo utilisé ça yo gagné et comme mission parce que en pile nan yo pas konn ki mission yo gagné pour Haïti, nou pas konn ki mission yo gagné pour peuple lan, ce qui est sûr. L'entre non logique, ou ap soudoyé, ou entre non logique, ou finance gang, li aussi imprédictible pour ta kwèp à un certain moment de la durée que ou ka tourné vers la justice pour dire que un tel a persécuté ou un tel a oppression et la justice dit un mot pour ou. Non. Nous participons à craser l'institution de l'État. Nous participons à mettre la corruption en deux dans l'institution de l'État. Nous marginalisons l'institution. Je dis là, pas qu'à avoir une réponse qui baille à travers ni la justice, pas qu'à avoir une réponse qui baille à travers ni la police, parce que ce sont des institutions corrompues. Au plus haut niveau de l'État, c'est l'effondrement même. Parce que le businessman, je dis, hein, que le politicien, ils ont tous participé à craser l'État. Et nous prenons à comprendre que Yuri la tortue, je dis, là, qui fait partie de la scène politique, nous avons eu l'occasion pour me faire quelques recherches approfondies sur le personnage. Parce que faut que nous connaissions avec qui est-ce qu'on a fait. À pile fois. Et des fois, nous connaissons la réalité en devant nous, tellement monsieur est dangereux, tellement monsieur est paraît et féroce, ou vient nous dans une situation côté que ou obligé fermer bouche pour pas dire exactement ça. Et bien je dis là et nous pral faire un petit parler de Yuri la tortue peut-être ou comme Yuri la tortue c'est ancien sénateur, Yuri la tortue et l'itinant gouvernement et préval Yuri la tortue c'est neveu et Gérard la tortue gon long parcours ancien allié PHTK ancien allié Jovenel Moïse etc. Mais ça ne s'arrête pas là comme politicien qui est Yuri exactement si n'a songé scandale en WikiLeaks qui était impliqué Julian Assange qui était éclaté et aux États-Unis précisément en 2011 WikiLeaks a publié plus passé 250 000 câbles et diplomatiques. Câbles diplomatiques, hein, son paquet de télégrammes, un paquet d'informations qui concernait exclusivement l'ambassade américaine. Ça aussi, câbles diplomatiques américaines. Et leur câbles diplomatiques américaines, ça a publié. C'est des informations qui soutiennent dans le consulat, dans l'ambassade américaine, dans différents pays. Yo prend un nom Yuri la tortue figuré dans télégramme qui concernait ambassade américaine en Haïti près de 226 fois. Et à l'époque et en 2005 en 2006 pour arriver 2008, t'es gagné comme ambassadrice Janet Sanderson. Dame nan li te voye préoccupation, l'ambassade san te voye préoccupation le gagné concernant Yuri la tortue et bail supérieur hiérarchique qui aux États-Unis. Qui ça te dit? Nous pralouè depuis qui l'ambassade américaine ou des pays États-Unis gen yeux fixés sur Yuri la tortue. Malgré différents soupçons qui gen sur Yuri la tortue, jodi an jusqu'à date, li sous scène politique là, jusqu'à date, la influence politique là, jusqu'à date, gen des présomptions sous dol comme quoi li nan finance gang, li nan finance bandi en dedans pays. La justice pas jamais mesure pour enquêter, la justice pas jamais mesure pour yo et sorti des éléments de preuve concrets, soit pour yon inculpel, soit pour yon tadou, pas yon assez preuve pour yon disculpel, etc. Sénateur, ancien sénateur, li la, nan figi nou pou pire.
Giles Anderson lui écrit, lui fait comprendre que le sénateur Yuri La Tortue pourrait bien être le plus effrontément corrompu des principaux politiciens haïtiens, selon un collègue. Le délégué départemental de la province de l'Artibonite à La Tortue a récemment partagé avec Poulof ses préoccupations concernant les activités illégales ou peu recommandables de La Tortue dans la ville portuaire et dans d'autres régions de l'Artibonite. Les liens familiaux de La Tortue jouent un rôle dans sa capacité à manipuler la région, tout comme ses liens avec les gangs armés et les trafiquants de drogue. Là, nous sommes en 2006 pour arriver en 2008. Ça, c'est préoccupation ambassadrice américaine à l'époque. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, pour ambassadrice ça, Yuri La Tortue, c'est un politicien qui pi audacieux sous scène politique là, qui pi corrompu sous scène politique là. La bon menti, la gardon danger pour le doli. C'est ça que Yuri La Tortue de 2006 à 2008. Est-ce que le change jodi an? Est-ce que Yuri La Tortue dit beaucoup plus sincère? Est-ce que Yuri La Tortue, qui ça nous attend de un pareil caméléon politique tant que Yuri La Tortue? Et là, après aller plus loin pour dire que influence sur la tortue sous scène politique là, living paraît beaucoup plus difficile pour éviter. Tout côté au passé ou toujours joindre Yuri La Tortue. Dans chaque domaine et on prend l'intervenu Yuri La Tortue, il est toujours là. Qui ça pour faire? Et avant et Janet Sinderson t'a gagné ambassadeur Foley, James Soleil lui-même qui t'a un ensemble de problèmes avec Yuri La Tortue, qui t'a toujours fait des recommandations sur Yuri La Tortue, dans la même question politique, dans la même question gang, et prétendue relation avec bandits, prétendue relation de trafic de stupéfiants, etc. Et on t'a même allé plus loin, le, et pour yon t'a mette yon lot DG dans tête la police, et dans 2005, yon, si m'a trompé, à l'époque, Gérard La Tortue était premier ministre. Yuri La Tortue te fait influence, li joue, etc. Pour te entrer en paquet et ancien nèg qui était dans l'armée pour te faire entrer dans la police. Là, ça te soulevé un paquet de questions côté ambassadeur américain qui était là à l'époque, ni côté corps groupe tout, parce que tu trouvais ça extrêmement bizarre. C'est depuis longtemps Yuri La Tortue qui a influence sur scène politique là. C'est depuis longtemps Yuri La Tortue et il fait objet d'un paquet de scandales. Scandale côté que la justice en supposé enquêter. Scandale qui a mort d'homme. Scandale qui implique assassinat. Je veux dire, qui ça fait? Qui ça dit? Qui ça permet que peuple haïtien toujours tombe dans Yuri La Tortue de manière continue qui sous scène politique là mais qui pas jamais offre de réelles opportunités de réels avantages politiques avec peuple haïtien sinon que et créer situation pour armée plus jeune dedans pays là sinon que créer situation pour enrichir beaucoup plus au détriment de peuple haïtien sans que je dis on pas une possibilité de recours. Devant qui est-ce nous prenons le recours dans ce qui concerne Yuri La Tortue? Puisque yo participé dans le corrompt appareil judiciaire, yo participé dans craser la justice. Qui est-ce qui a dit un mot? Gon paquet d'informations, moi-même, toujours dis ça. En pile fois, l'entendez, on bandit à parler. L'entendez, on délicat à parler. L'entendez, on haïtien qui fait partie d'un groupe gang à parler cap du mais qui politicien cap ba zam mais qui politicien cap financer mais qui moun qui sou doyo etc. Avant dit c'est menti, réfléchis à deux fois parce que sur scène politique ça on aura tout vu go paquet bagaille pour nous et ça c'est commencement, ça c'est commencement go paquet zam qui va rentrer dedans pays. On va regarder relations qui gagnent jodi an Yuri La Tortue, Yuri Meuse, scandale ça alors que l'on a considéré terminal vareux côté que y a bateau après trevin bay gaz côté que yo utilisé pour ça pour recevoir marchandises qui ça ka fait l'autre des coalitions qui gagnent an Yuri La Tortue Yuri Meuse. Qui question qu'a posé tête en dépit du fait que je dis en la pays en face avec un niveau d'insécurité aussi grave aussi féroce que ça
Qui réelle intention qui cache des coalitions ça? Qui réelle intention qui cache des sorties ça que Yuri Meuse fait dans la presse internationale? Li pas de responsabiliser dans question et sous doit bandien dedans pays. Peut-être que le pense l'elle dit barbecue mandé $500,000 exige $500,000 là, tout regard pral fixer sous barbecue. Ou même qui pas réfléchir ou même qui pas comprendre ça qu'a fait qui pas comprendre réalité hein? Ou pral seulement garder barbecue par rapport avec déclaration qui fait yo. Mais non ça aller au-delà jodi en faut nous admettre que gros businessman ça gros entrepreneur ça yo participer dans craser pays hein? Yo participer dans armée jeunesse hein? Yo participer dans mettre corruption yo participer dans mettre plus vulnérabilité dans société hein? Bay bandi camion marchandise, bay bandi l'argent, l'argent pour yo fait qui ça? L'argent pour yo renforcer yo. Et c'est exactement ça nous gen là. Et pour n'aller plus loin dans cause insécurité, dans cause entrepreneur qui a financé bandi en dedans pays, ça c'est pas hier, ça c'est pas sous Jovenel, c'est pas sous Martelly. Nous ka remonter avec phénomène insécurité ça en dedans pays, un phénomène coalition homme d'affaires avec bandi avec gang en dedans pays vers les années 2004. Avec Aristide, on dirait que c'est pépinière même qui commençait prendre naissance en dedans pays. Causer gang, causer bandi, causer coalition, li commençait grandir et jodi là avec 10 ans PHTK passé sous pouvoir là, li rive à maturité, li rive à terme. Tout ça Aristide te commence à préparer yo 10 ans là, dans 10 ans PHTK, yo rive et pas ti pépinier encore. Yo rive à maturité, gang yo comment te ka di ça, gang yo déployer, yo disséquer bout par bout chaque fait ti gang par yo kounye. Chaque fait ti coalition par yo, chaque fait ti groupe par yo. Yo amplifié ou multiplié en dedans pays. À qui profite tout cela? Ce sont des hommes politiques, il y a ceux de la communauté internationale, il y a également ces hommes d'affaires, ces femmes d'affaires influents, riches en dedans pays qui ont même à participer, qui ont même gain intérêt, yo veulent protéger. Et pour nous aller plus loin. Nos politiques en dedans pays nous considérer que Aristide li grandit avec et li bay naissance même avec et groupe armé. Nous pral aller plus loin. Nous quitter Aristide, n'a pour remonter nos propres Préval qui consolider. Préval consolider parce que le ou entamé yon désarmement qui a avorté Zamzayo. OK, la police te pour un groupe un petit quantité d'armes à propre pas jamais entendre quoi que ce soit. Bandi ça yo, monsieur ça yo. Qui pas arrivé réellement désormais. Ou vinn ba yo plus aisance. Ou vinn ba yo, ou vinn renforcer ça yo gagner dans yo même comme pouvoir. Puisque l'état pas en mesure pour désormais nous tout bon l'état pas en mesure pour faire travail là ba nous consolider ba nous renforcer ba nous prendre plus territoire ba nous accaparer plus zone géographique etc. Et c'est de là et on va venir jeune nèg gab bataille pour territoire on va venir jeune nèg gab dou ça est territoire pas va monter sous lit ça pas camper etc. Jodi en là nous rivé dans un stade côté que en dépit du fait Aristide commencer préval consolider. Nous venons joindre Martelly avec Jovenel Moïse de regretter de mémoire qui ont même accaparé de ça et néo-colon ont gagné comme objectif craser pays, craser société, mettre économie noire à tes plates. C'est exactement j'arrête ça. Ils ont même venu bailler idée ça. Idée préconçue par bon côté étranger ça, par bon côté les soi-disant amis d'Haïti. Yo participer nan bay sa nou gen la comme pays, nan bay sa nou gen la comme société. C'est un plan et plan ça qui gen la li dépasse politiciens nou yo, li dépasse chaque grain haïtien parce qu'il a été bien conçu par la communauté internationale, sinon pas avait dit précisément les États-Unis. Et c'est là tout bral vini avec et Franklin Delano Roosevelt. L'elle te fait déclaration ça, son déclaration que chaque haïtien t'a supposé mémoriser et utiliser comme cheval de bataille non. Qui ça Franklin Delano Roosevelt te dit? Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens en chaussures
et mettre les gens en chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les hommes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire à travers l'idée Franklin Delano Roosevelt t'a fait passer, voulait faire passer, qui continue et qui d'application toujours là, qui a vive toujours dans ça qui vient pour avec administration avec américaine, dans ça qui vient pour avec vision américaine, dans ça qui vient pour avec objectif américain, c'est ça qui a passé exactement en Haïti. Moun qui pi mal yo, moun qui pi pauvre yo, moun qui pi ba yo, moun qui pi vulnérable yo, fait yo pas vouloir ouais, moun qui est moyen. Fè ou pa vle ouè moun ki an ro yo, fè ou pa vle ouè moun ki non situation supérieur yo. Et moun sa ou ki non situation ki pi ou, toujou kreye yon position, toujou kreye des situations pou yon ap batay a lot. Objectif lan, c'est toujours mettre stabilité dans le pays, hein? C'est toujours créer des conditions soit objectives ou bien subjectives côté que ou même qui a fait l'argent ou vienne sentir vulnérable ou vienne sentir pas en sécurité et ou même qui pas gain l'argent dans le pays ça ou tellement marginalisé pas gain l'autre option que attaquer moun sa yo qui empêchait ou aller mieux qui empêchait ou aller de l'avant. C'est pas que Haïti pas te ka gen un minimum pour tout moun, non. C'est pas que jodi an nan peyi an la et minimum nan salaire de base et li pa te ka répond avec besoin chaque grand haïtien, non. Yo créé condition yo. Yo créé situation pour toujours nan misère, yo créé situation pour toujours nan pauvreté. Ça nous carré les jodi an la quête américaine, c'est vision américaine, non, c'est lui-même qui toujours là. C'est idéal américain, c'est lui-même qui toujours là. C'est pas parce que Delano pas là encore et d'ailleurs, si n'a songe doctrine de Monroe l'un de l'école yo te apprendre nous, l'Amérique aux Américains. Yo considéré Haïti jodi an qui fait partie de l'Amérique là. Bon des fois yo même gete dans pour yo recadre pour yo dire c'est dans Caraïbes là. Puisque ça gagne en Haïti, ça gagne, ça nous gagne comme richesse, hein? C'est pas parce que nous sommes un pays pauvre. Nous pauvres parce que nous choisi dit nous pauvres. Yo vle à pauvre nous, mais yo pas corriger, non, yo pas abouti, non. Il y a le plan, plan toujours là. Mais Haïti est un pays riche. Qu'on veut appauvrir, c'est exactement ça. Et si on pas une définition de Haïti, qui sont qu'a dit de Haïti? Face au monde, Haïti c'est premier pays qui dit non à l'exploitation. Premier pays qui dit non à l'esclavage, qui dit oui à la liberté et aux droits de l'homme. Et encore aujourd'hui, nous voulons croire que liberté ça y est, droit ça y est, yo encore acquis. Malgré que gen moun ki vle marcher sou yo, malgré que étranger aujourd'hui là et y a financé des luttes fratricides dans pays, y a bay, y a parmi différents groupes gangs dans pays, y a yo créé gang dans pays, y a créé situation pour gen gang en dedans pays, y a planifié étranglement économique pays. M'ka bon exemple c'est pas avec nous. Gon ensemble de réformes qui t'est faites. Un ensemble de réformes qui t'est faites et après 86, gen réformes qui t'est faites de 94 à 95 après retour à Aristide dedans pays en tout ça. Gen ça qui gen pour avec importation. Droit de l'importation. Surtout sur ça qui gagne pour avec jury. Et c'est là tout nous prenons conscience que non seulement politiciens participent à craser l'économie pays, mais tout craser l'économie pays, ils sortit depuis en haut. Ils sortit depuis par bon côté les États-Unis d'Amérique. Nous avons droit d'importation sous jury avant 95 qui était 50%. Les réformes faites en dedans l'État. Yo baisser droit ça à 3%, ça qui craser et question et production nationale nous duri pas nous envie pas ca vendre li pas gain valeur puisque tout monde a porté bourré sous duri importé duri de chaco duri boule a fait gros vente etc. Yo choisi délibérément yo dou ya faire réforme pour ba économie pays nous j'arrête mes réformes là. Et d'ailleurs, je dis en là, près de 80% du riz n'a consommé en dedans le pays, c'est du riz importé à 3%. À qui profite l'étranglement de l'économie haïtienne? À qui profite tout ce déséquilibre? Que ce soit, c'est avantage américain avant tout. Mais moun sa yo qui fait partie du secteur privé, pour qui sa yo pas dit bon, ou connaît, nous désavantage le peuple en trop.
Nous craser bol peuple en trop. Gardons ensemble de droit population haïtienne n'ont gagné, nous priver au de yo. OK, nous gagne droit, yo baisser barrière tarifaire yo pour nous. Yo ba nous possibilité pour nous commander du rien, nous payer moins pour lui. Gagne nan yo qui pas même payer taxes. Malgré que yo gen franchise douanière, imaginons un produit qui al prend États-Unis à 1 dollar ou bien 0,50 $. Malgré que yon franchise, yon vin avec là, yon faut payer jusqu'à 10 dollars américains. Et puis c'est yon même qui constitue moteur économique paysan, c'est yon même qui fait paysan marché, c'est yon même qui fait paysan fonctionner. Et par-dessus tout, yon prend monopole tout bagarre dedans paysan. Mais pays nous gen là, mais pays nous doit bataille pour nous changer situation. Situation pam, situation pao, situation chaque grain haïtien. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible pour un pays côté que c'est objectif américain qui d'application. D'application comment je dis là, nous nous en situation côté que nous détruit propre production nationale nous au profit du colon, au profit du blanc. Est-ce que le possible? Qui ça nous gagne? Qui ça nous gagne de productif dans pays là? Qui ça nous gagne comme produit de consommation en Haïti là que nous au moins si m'ta dit n'a bay 10% population haïtienne n'a bay au manger, est-ce que n'est capable? Nous pas capable. Nous pas capable parce que jodi an la politiciens, jodi an la communauté internationale, yo font un complot écraser Haïti. Et complot ça, on mande tête qui crime Haïti fait? Peut-être plus gros crime Haïti fait là, c'est d'avoir trop d'enfants. Trop d'enfants qui ne l'aiment que de lèvres, que de paroles, mais c'est intérêt qui protège seulement, c'est intérêt qui compte seulement. Ou tout les haïtiens avant de parler de mon pays. Ah, ma mourir pour Haïti, si m'pa Haïti, m'pa bon, si m'pa Haïti, m'pa vivre bien. L'homme de yon pays, wow, il m'a tout problème. Mais au fait, combien fois mette intérêt Haïti d'abord? Haïti d'abord, Chavoba. Combien fois mette intérêt Haïti avant? Combien fois pensez pour Haïti? Avant ouais propre tête ou avant ouais quand tu t'es là argent pour le mettre dans poche ou quand tu t'es million pour le faire. C'est exactement ça lié. On attend de politiciens, nous gon paquet et monde qui fait partie du secteur privé des affaires, mais combien fois yo en Haïti, combien fois yo en monde et qui marginalisé dans quartier populaire yo. Au lieu de penser mettre assistance pour yo, au lieu de penser créer et vinn créer des centres communautaires pour yo, mais non, yo préféré armé yo, yo préféré ba yo zam fè yo bataille yon ak lòt. C'est Jean Franklin Delano Roosevelt qui dit l'un des va-nu-pieds contre des gens en chaussures. C'est exactement ça nous gen là comme réplique. C'est exactement ça n'a vive jodi an nan pays. Voilà. Lò genye le cas Meuse ou genye le cas Yuri la Tortue, et en passant c'est un dossier qui est extrêmement sensible. Parler de Yuri la Tortue, on le sait bien, un politicien que même l'ambassadrice américaine a pu et catégoriser comme effronté, comme prétendument corrompu en Haïti. C'est sûr que gen bagay lò vin avè yo ki pa vraiment fè moun plaisir, ki pa fè partisan plaisir, ki pa fè allié plaisir, etc. Mais nous là pour nous dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, au profit du peuple haïtien, au profit de l'intérêt général. Donc là, et tout moun, et en passant, avant-hier gen yon autorité qui passe son appel, qui rele moi, qui dit que et on connaît faut ou pas rentrer dans logique à pas vili institution l'état yo à pas vili l'état. Me dit mais comment? Me dit comment vili l'état? Me dit il y a rien à avilir. Pas gain rien pour na vili là puisque l'état est vil, l'état est méprisé, l'état est méprisable, qui valeur encore qui rete là pour ma vili. Me dit leur parler de la police. Qui ça crété dans institution la police là sinon que de braves policiers pour nous toujours mettre chapeau bas devant et fort yo. Qui ça qui gagnait et pour avili là pas gagne rien monsieur ou pas même le n'a pas vérité sur la police ça. En tout cas si nous pas avle nous dit vérité qu'a passé nous pas avle nous parler de réalité yo c'est assumer nous c'est assurer que ou nos fonction rempli soit gagné comme responsabilité soit gagné comme engagement. C'est pas moi même avec micro qui pral changer quoi que ce soit en d'institution que on va diriger.
Je peux aider la population à comprendre ce qui s'est passé. Je peux aider la population, je peux aider chaque citoyen qui a une vision de ce que nous offrons, de mentir dans le bain ou bien de réalité masquée. Nous mettons devant nous. Mais avec le micro, le travail n'est pas fait pour nous. C'est vous qui pouvez travailler. C'est vous-même qui pouvez prendre engagement, pour prendre responsabilité, pour prendre mission à cœur, pour nous servir, pour protéger nous. C'est pour cela. Et nous allons rentrer dans ce qui est pour vous avec la rubrique qui sauve pour aujourd'hui. C'est sûr que nous connaissons pile avec un paquet de paroles pour parler. Ou bien pour faire passer revendications, ou bien pour faire passer des suggestions, ou bien pour critiquer, ou bien pour dénoncer. C'est là pour faire. Numéro émission toujours disponible pour vous, pour vous et pour vous commenter ou pour quitter en audio, pour relayer, pour nous parler. Faut que nous parler pays, faut que nous faire débat et surtout faut que participer dans changement pays. C'est ça qui est beaucoup plus important et c'est là tout au bras jouer rôle par en attendant que vous prenez rien pour tout bon, en attendant que vous appliquez à 100% dans la bataille. Mais là, il faut parier pour faire voir. Passez numéro 1, c'est 38 96 38 19. Pas oublier, relayer, écrire, puis pas hésiter. Tout ce que vous voulez dire, vous voulez faire passer comme opinion, faites le passer. Moi-même, ma fait message à passer pour vous, c'est job moi ça. Nous prenons rapide vite avec un premier participant pour aujourd'hui dans l'émission. D'avoir un message ça, et spécialement pour 400 maozo qui ont kidnappé le monde, pas fait ça, ou son jeune garçon, pas fait ça, on prend, pas fait ça, ça pas vite loin, même qu'on ouais, ou qu'on a gagné gros l'argent, ou qu'on a demandé gros rançon, ou qu'on a payé gros rançon vraiment. Mais l'argent ça, li pa petit loyer, li pa jam faire rien pour petit tout, pour madame ou, et pour ou même, li pa fan rien pour ou. Sou te ka changer stratégie a, li ta bon. Changer, li pa fait ça encore, parce que normalement, l'on kidnappe moun nan, et li pa bon. Kamande moun yon pa ke l'argent, moun yon pa même, l'on mande moun 1 million de dollars. Il y a des gens qui pas même comme ça qui relève dollars, grain dollars américain, il y a des gens qui pas connaissent. Bon, leur kidnapper mon nom de l'argent comme ça. Qui côté le va joindre ni 400 maozo ou son jeune garçon, entre dans conscience ou mon cher, pas fait ça encore garçon. On prend pas fait ça. On prend essayer entrer dans conscience. Bon Dieu met tout bagaille dans chaque monde yo les conscience ou leur font bagaille qui pas bon juste pour conscience la reprocher ou juste pour pas faire ça encore. Conscience là son juge lié bon Dieu met en dedans. On prend ou pas senti ça gêné ou pas senti aucun problème leur kidnapper au monde parfois ou battre mon nan. Et au monde, parfois ou bat mon nan, parfois ou mande l'on paquet l'argent, et mon nan pa ka jwenn l'argent, on pren pou le ba ou pou la gil, ou touyel. Donc, ou pa senti ça gêné, ou pa senti aucun problème étant qu'on gêne. Moi, nous tous son paquet jeune garçon, beau jeune garçon nous y est, entre dans conscience nous mes amis, pas fait ça encore. Bay pays a une chance, bay malere yo une chance dans pays a. On prend bay malere yo une chance dans pays a pour yo vivre. On prend bay malere yo une chance et ti la pli, bay malere yo une chance pour yo vivre dans pays a. On prend et ki laisse encore ti la pli et l'autre là encore là. Bay pays a une chance mes amis, nous pas c'est nous-mêmes qui bloquer pays a. Gardez sous François Duvalier, bah, il n'y a pas de consens malgré le gouvernement, c'est un gouvernement crasé. Mais quel est le pito gouvernement François Duvalier a été là toujours, quand ces gens de Mounzao qui là, qui va laisser aller et qui fait paquet de zama pour entrer dans le pays à consens, mes amis, bah, le pays a une chance. Bien, ça c'est cri, ça c'est appel à conscience que. Yon participant, yon internaute a fait
et pour bandi yo, pour ti lapli, pour 400 marozo. Bon, pour différents l'autre groupe gang, l'autre jeune qui gen zam nan men yon dedans pays a kap terrorize population, li lance cri, li lance. Et c'est dur, c'est extrêmement dur pour vivre en pareille situation comme ça dedans pays. Là, nous trouvons une situation côté que on a imploré bandi, on a imploré la loi, on a demandé aux faveurs, on a demandé aux bonnes grâces. Alors que nous non pays côté que gain autorité, nous non pays côté que gain des responsables, gain monde qui là pour prendre responsabilité, qui là pour prendre engagement, c'est frustrant. C'est frustrant et sincèrement pas caché dit nous que si une barre de loi sorti dans j'aime, c'est sûr que m'a caché émotion, mais et genre de situation ça yo c'est yo fait mal. On va pas prendre que yo tué professeur Patrice de Renancourt, un éminent professeur de droit constitutionnel, un monde qui fait toute ville à enseigner, à éduquer, à former des générations dans ça qui gagne pour avec droit en dedans pays, dans ça qui gagne pour avec liberté constitutionnelle en dedans pays. Et puis c'est comme ça, li mouri, c'est comme ça. Un groupe bandit décide de finir avec ville, yo kidnappé, mande $900,000 et pour libération comme rançon. Et le kidnapping ça, policier qui t'a censé dé qui t'a tenté déjouer action, youn nan policier ou te perdu la ville. Policier enterré jodi a m'apprendre et puis jodi an yo tué professeur, yo la école comme si de rien n'était. Dans qui pays n'a vu jodi a ou face avec en situation non pays côté que toute tête pensante yo intellectuel yo menacé vie ou menacé qui avenir c'est comme si ou face avec un combat perdu d'avance ou bataille ou pas pour qui ça bataille ou pas bout de tunnel non pas rien qui a jodi a qui a dit que pays ça n'a vivre là dans l'an et tout est beau tout est belle tout est bien. Seul Ariel Henry. Parce que Ariel Henry, il s'est fait passer pour et la seule personne capable de déclarer la guerre. C'est un déclareur de guerre. C'est une carte comme ça. Non, exactement. Exactement. On pas qu'un monde qui prend pouvoir ou pas gagner. On pas qu'un monde qui prend liberté ou pas gagner. Alors que nous avons un peuple qui a souffri, nous avons un peuple qui est en misère, nous avons un peuple qui est en pauvreté, nous avons un peuple, je dis, qui est touché par insécurité en matin, midi, soir. C'est grave, c'est grave. M pa de gen occasion rencontrer Patrice de Renancourt, m pa li pa de gen occasion tout pour le t'enseigner. C'est un bon professeur de droit constitutionnel que pays a gagné. De même que nous ka parler de Mirwan Baniga qui sont très bons professeurs de droit constitutionnel. Le fait que jodi ou éduqué, le fait que ou c'est intellectuel, le fait que ou ka penser, le fait que ou ka met ton belle chemise ou pas besoin qu'on kote ou te joigne, le fait que ou ka gon ti machine pas besoin qu'on combien temps passé avant acheter li, le fait que ou gon belle couleur, gon belle peau, yo pas besoin qu'on a rien de origine, qu'on a rien de misère, qu'on a rien de parcours ou ciblé. Chaque grand haïtien ka vivre dedans pays, il suffit que ou font minimum d'effort ou ciblé. Nous pas catégoriser kidnapping non jodi tout le monde joine pas yo. Il suffit que on fait faut il suffit que on pas tant qu'on monde fou dans la rue pour yo pas prendre. C'est quoi ça qui côté nous parler avec pays ça. Oh c'est dur. Message en pile mais sérieusement et morale là pas en top et émotion yo tombe pas veut quitter prendre le dessus sur travail m'a fait. Nous allons attendre les deuxième et dernière et participants nous pour l'émission aujourd'hui pour rubrique qui sauve les ans. C'est sûr que demain n'a pas pirouillé puis coupé n'a vini on top n'a vini pour nous continuer à travailler plus monde a bien occasion pour yo faire message passer pour yo faire des voix en nous attendre avec. Bonsoir Yannick. Bonsoir tout le monde qui est dans la cuisine mon éditorial yo. Et bonsoir à fanatique, mon éditorial. Yannick, je dis en temps de dire une parole qui est vraiment importante. C'est activité
bon choix nous devons faire. Mais bon choix, ça n'a pas l'air. Nous allons connaître comment nous allons faire. Pendant que nous n'avons jamais fait l'école avec le peuple là, nous avons un peuple 80% pas qu'on lit et écrit. 90% du peuple là, c'est manifestation pour grand goût, la vie chère, yo fait chaque jour. Yo pas jamais l'amour pour rien encore. Moi pas jamais tant d'écouter peuple là à crier pour l'hôpital, pour courant, pour de l'eau, pour propreté, pour bonnes conditions de vie. Yon seul bagaille. Mais si en l'air toujours faire yo, c'est faire manifestation pour y appeler Abba. Bay vagabond l'argent pour y faire peuple arrêler Abba chaque 4 ans pour qu'a faire transition. Parce que yo connaît yo pas chame bon la élection parce que peuple là pas jamais voter. Moi même tout ça va faire. Moi même tout analyse yo. Mais moi ça le samedi là yo moi t'a remé ou même pour t'a venir avec un petit bagage sur lui en plus pour moi non mon nous pas jamais fait bon choix effectivement vrai c'est parce que nous même peuple là c'est toujours sur ça pas qu'on lit yo yo toujours guéri Bosco yo moi t'a remé nous même tout journaliste yo pour nous faire ça tout éduquer peuple là qui pas qu'on lit comment pour y voter, comment pour y aller voter. Moi remercie en pile Yannick pour savoir faire. Moi remercie mon éditorial pour tout travail ça n'a fait. N'a fait peuple là. Ouais, côté nous y. N'a fait peuple là calésier pour nous arriver côté nos besoins arriver. Merci, merci, merci. Merci, merci amis Pam et pour intervention, c'est modèle monde qui ba nou force, qui ba nou j'arrête pour nous continuer travail là, monde qui croit dans travail positif, monde qui croit dans changement, monde qui croit que si vraiment nous fait bon choix, si vraiment nous choisir un bon comportement yo et gain chance toujours pour pays, gain chance pour Haïti sorti dans sa lia. Et qui ça me ka di, comment me ka répondre par rapport avec question pour nous faire bon choix yo. Je dis en là nous avons un groupe politicien qui beaucoup plus rusé, qui beaucoup plus futé, qui jouait sur ça qui gagne pour avec vulnérabilité peuple haïtien. Leur besoin attaquer un monde ou chercher qu'on faiblesse, ou chercher qu'on point faible. C'est exactement ça qui a passé jodi en sous scène politique là. Nous avons un peuple qui pas éduqué. Ouais, ou rete nan 80, moi m'bra le pire. Nous gen 85% population haïtienne nan qui analphabète. Qui seulement gen sa ki gen pour avec émotion. Émotion nan choix politicien, nan choix candidat, nan choix député, nan choix sénateur, même pour rive nan choix président. Puisque nèg lan ka gen bel slogan, gen bel mayol, gen moun derrière, yo suivent la foule. En d'ailleurs, en Haïti, c'est comme ça lié. Il faut suivre la foule, c'est comme ça lié. C'est pas un choix qui basé sous principe, c'est pas un choix qui analysé, c'est pas un choix qui calculé, mais puisque moun sa li fait toler, puisque moun sa gon paquet moun qui a parlé de lui, tout moun pote bourré. C'est exactement ça qui a passé dans pays noir. Logon peuple qui pas éduqué. Logon peuple qui vulnérable, qui n'a besoin, qui nécessite. Comment ka attaquer? Comment ka jouer sous faiblesse? Nous avons une population qui n'a grand goût. Nous avons une population qui a un niveau de précarité qui est au plus bas. Nous avons besoin, nous avons vulnérable. C'est normal, nous avons chaque candidat, je disais, pour poste président, bien, et qui candidat au sénatorial, à la députation. Quand l'élection va arriver là, dans chaque zone, nous avons dans chaque quartier, nous avons c'est deux choix. Yo a privé yo konn ou gen problème manje ou gen problème grand goût yo venir avec camion du rio yo a ba ou du rio yo a ba ou du rio pendant toute campagne là ou pour ce candidat idéal là
Malheur à ou même sous pas ouais moun sa ou c'est soudoyé ou vinn soudoyé ou sous pas ouais moun sa ou c'est vote ou y a vinn acheter sous pas ouais moun sa ou c'est corrompu ou vinn corrompu pour un petit sac du riz pour deux petits sacs du riz pour deux trois kits alimentaires pour 1000 gouttes pour 5000 gouttes tout dépend de position dans communauté tout dépend de rang dans communauté tout dépend de influence dans communauté et puis l'autre option c'est qui s'allier pendant y a bord du riz y a armé un groupe jeune. Yo cherche kon ki est ki pi influent. Lè yo rive nan Belè, lè yo rive nan Solino, lè yo rive Delma 2, Delma 3, ainsi de suite, nan chak kote ki ekstremement important, ki reprezente un point stratégique pou yo, yo cherche ki est ki la, ki est ki domine, et puis yo cherche condition pou yo arme yo. Si nan bò manje yo pa ka joine vote ou, yo assure yo ke moun sa yo pral ba yo élection. Même l'entendre en pile fois yo dit c'est peuple qui vote, c'est peuple qui bat élection, c'est peuple qui élu moun. Mais politiciens yo connaît parfaitement bien c'est pas vrai. Yo joué sous influence, yo joué sous nécessité peuple, sous vulnérabilité peuple et yo joué sous jeunesse que yo choisi armé jodi. Et nous pas jamais arriver dans situation pour nous faire bon choix d'autant que ces groupes ça yo nous gain là sous scène politique là. D'autant que c'est Yuri la Tortue, c'est André Michel et Nenel Kassi. D'autant c'est moun sa yo qui la toujours sous scène politique là. D'autant nous ta pensé à renouveler même moun sa yo qui te ba nous 2004 yo, les Lavalas, même moun sa yo qui c'est des alliés de Lavalas, des organisations qui regroupent yo, des structures jodi an ki dou yo chita ensemble pour yo faire accord mais accord Merlan c'est Lavalas, accord Merlan c'est SDP, accord Merlan c'est yo pa jamais utile pays a rien. Nous ka changer tête, nous fait changement de tête mais c'est même pratique là, même objectif là, plein poche yo et puis y aller. Nous besoin effectivement que ça change. Nous besoin effectivement que nous fait de bons choix, des choix calculés. Comment c'est privilégier l'éducation et à travers mission ça, mouvement micro pour chaque jeune intellectuel qui a visé, chaque jeune qui croit dans changement, chaque jeune qui au même voulait offrir tête une opportunité pour yo parler. Nous quitter trop mon appauvri bouche qui pas dire rien pour nous, vienne parler, vienne dire qui sont. Ensemble nous ca réaliser en pile bagage qui positif. Je dis là, c'est pas un seul monde qui va changer pays. Un seul monde pas changer pays. Changement pays, il va dépendre de un président parce que tout ça nous passé, il pas jamais utile rien jusqu'à date. Il pas jamais fait le point, il pas jamais réalisé de grandes choses d'envergure qui te ca permettre Haïti sortir d'un point A à un point B. On va venir dire Jovenel Moïse, t'es essayé de tuer. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ce qui est sûr, c'est que ont assassiné Jovenel Moïse réellement. Jovenel Moïse, il a laissé sa vie. Il a laissé ville pendant que il t'a dénoncé un groupe nègre qui était contre un homme. Un groupe nègre qui t'a tiré profit de misère. Un groupe nègre qui t'a tiré avantage de besoin nous gagner. Mais c'est pas seulement groupe nègre ça. Un paquet l'autre qui était en Basel Jovenel Moïse qui t'a tiré avantage tout. Qui t'a tiré un paquet profit de Jovenel Moïse. Qui a perdu qui gon paquet té nan men yo ba yo pou zone franche ki sa yo fè avè jodi a paysan sa yo té déposséder an côté yo jodi a ça est extrêmement important pa gen ben caché nan brit pou n'ap di n'ap parler pour you n'ap parler pour peuple n'ap parler pour tout haïtien chaque grand haïtien jodi a là y a marginalisé y a marché sou yo faut nous parler pour you nous c'est voye yo là c'est travail nous tout c'est nous même qui pou décider ensemble pour nous avancer pour nous et pour nous faire ce que le droit pour nous bailler pays en chance. Moment arrivé pour nous mettre en bout dans émission mon éditorial pour aujourd'hui, c'est sûr que éducation pour un gros coup, formation professionnelle là prend un gros coup, université d'État d'Haïti pour un gros coup et étudiants yo attristé, collègues yo attristé parce que sacrifier c'est dur, c'est extrêmement dur. Mais nous pas camper là, faut que travail là continuer, faut que éducation continue bail et d'autant nous même n'a fait travail ça, d'autant nous même nous gain micro n'a toujours prôné éducation, n'a toujours prôné le savoir, n'a toujours prôné et tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, toute objectivité. Principe n'est pas changé, continuez, partagez vidéo, regardez vidéo, quittez un commentaire sur mes travail positif qu'a fait là, quittez un like et surtout,
Mes amis, faut nous prudent, prudent, prudent. Même quand vivre en Haïti, toujours appliquer la prudence. Pas sortir sans besoin, pas le côté pas connaît, pas faire zone ou pas connaît, pas faire route ou pas connaît. Et ou même qui à l'extérieur pays, regardez comment on peut appliquer toute bonne bataille pour changer pays. Apprendre à lier avec moun qui ouais changement tout bon. Apprendre à lier avec moun qui prône changement sans que yo pas chercher complicité. L'autre moun qui a affecté bataille, qui a affecté lutte, n'a mené pour Nouvelle Haïti. Rendez-vous en Likase pour demain sur même chaîne, dans la même lieu. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick là. Même voix, rien pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Eh bien, je dis là, moi j'ai deux produits, je viens présenter nous. Bagay sérieux, net, pas gain maintenant ça. Un pommade qui relè Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger. Pénio. Ah, ça t'a dit ça. Donc, monsieur, madame, nous sauver. Donc, pas de question, plein, les outils, monsieur, à l'épitie, l'écoute, là, pas de problème, non. Gain outils là, l'app aide. Entre 30 à 90 jours, ou après 3 à 5 cm. Plein, fini, corvée, fini. D'ailleurs, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est produit tout en fait naturel, 100% organique. Et d'ailleurs, tout le monde qui a servi avec, tout garçon entre 15 à 75 ans, ou qui a utilisé des outils et qui a joué un bon résultat d'ailleurs. Pour m'a de la parler de lui déjà. Pour m'a de la parler pour tête lui déjà. Deuxième produit, li rele genbon. Son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles. Li la li même, la pour revitaliser quoi, la pour augmenter libido, la pour augmenter érection, la pour augmenter bon. Nous d'ailleurs non parler de li genbon. Kou ni a ka pran médicament ça, ou a gen bagay nan mon pour frapper. Donc, monsieur, dame, pas n'en faire corvé, pas n'en faire corvé à la, parce que, gain produit pour vous, m'pote produit pour vous, ou carrélé, nan 37-55-46-06 sous en Haïti, 37-55-46-06 sous en Haïti, ou bien tout sous nan international, non carrélé nan 514-886-97-76, 514-886-97-76, ou bien visitez website là pour plus facile, www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. Ou regardez là qui passe dans l'écran, relé écrit, mes amis, al prend produit yo, ou ba moins résultat yo dans bon ti manite. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.